Bon matin, on s'était pas encore parlé parce que j'avais comme plein de trucs à faire un matin là. Et vous avez vu, je me suis fait un café, j'en avais vraiment besoin, je me suis préparée. Là, je suis en train de faire le tableau des points avec les enfants. Dans le fond, ils ont une liste de tâches à faire. C'est rien de compliqué là, faire leur lit, ouvrir leur rideau, s'habiller, aller porter leur linge sale dans la salle de bain, déjeuner, brosser leurs dents, ranger, etc. Oui? Ça sera pas long. Puis, dans le fond, ils ont le droit de mettre un post-it de couleur. Ils dessinent, dans le fond, ce qu'ils veulent là, sur leur post-it. Puis, à la fin de la semaine, là, quand ils ont. À la fin de la semaine, quand ils ont fait. T'sais, quand ils ont tant de points d'accumuler, ben là, ils ont le droit à soit une activité ou une surprise. Comme la semaine passée, on est allé glisser. Ils ont vraiment aimé ça. Fait que, pour l'instant, c'est pas mal ça. J'ai un rendez-vous tantôt à 10h45 à l'école, comme je parlais dans mon vlog d'hier. Puis pour que Charlotte puisse retourner à l'école éventuellement. Donc pour un matin, ça va être pas mal relax. On va faire nos tâches. On a chacun nos tâches à faire. Puis c'est pas mal ça. Fait que je vous reparle plus tard. Bon, il est rendu 10h40. Mon rendez-vous est à 10h45. J'ai fait le petit ménage chez nous. Là, je suis rendue à l'école. Je m'en ai à mon rendez-vous. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils vont me dire là, à propos de Charlotte. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Mon chum il est arrivé de travailler le temps que j'ai à mon rendez-vous. Fait qu'il va sûrement faire dîner les cocos. Puis, c'est ça. Je suis un peu stressée. J'espère que ça va bien aller. Puis qu'ils vont vraiment trouver quelque chose qui va l'aider à gérer mieux son anxiété. Mais en tout cas, tu sais, je me dis au moins que tout le personnel est au courant. Fait que ils sont vraiment là pour l'aider. Puis tout. Fait que je vais vous redonner des nouvelles. Bon, je viens de finir ma rencontre. Hey, je m'excuse, mon Dieu, pour le reflet de mes lunettes, là. Mais en tout cas, je viens de finir ma rencontre avec la directrice, avec la psychoéducatrice, sa professeure. Pour vrai, ça a vraiment bien été. On a parlé là, de plein de choses. J'ai des plans d'intervention ici. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, sinon vous skipperez le bout. Dans le fond, il fallait regarder les capacités à Charlotte. Fait qu'elle est très sociable, elle aime la présence des amis, elle a de bonnes habiletés sociales. À la maison, elle a besoin de sa bulle. Elle aime jouer à des jeux de cartes avec les adultes. Elle aime jouer à un jeu pour apprendre anglais sur sa tablette. Elle aime colorier, elle aime les jeux de mémoire, les jeux d'habileté. Elle a un bon résultat scolaire jusqu'à présent. Fait que, tu sais, c'est ce qui aide en fait, là, parce que si en plus de pas aller à l'école, elle aurait une difficulté d'apprentissage puis ses résultats seraient pas bons, il y a rien qui serait de notre bord. Fait que ses besoins. Elle a besoin d'outils pour contrôler son anxiété et ses craintes. Elle a besoin de sentir une proximité avec l'adulte. Elle a besoin d'améliorer son assiduité scolaire pour ne pas prendre de retard. Dans le fond, c'est ce qu'on disait. Dans le fond, Charlotte, elle a beaucoup, 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 beaucoup d'anxiété. Puis quand elle a tombé malade, là, je vais pas rentrer dans les détails. Là, à un moment donné, là, si ça vous intéresse, je vous en parlerai plus en profondeur. Là, mais elle est tombée vraiment, vraiment beaucoup malade. Puis elle a été en ambulance. Puis depuis ce jour-là, on dirait que ça a comme déclenché encore plus son anxiété qui était déjà anxieuse avant. Fait que là, dans le fond, on essaie de développer des outils là, pour contrôler son anxiété. Fait que faut conserver sa routine à la maison. Fait que faire comme si elle irait à l'école. Utiliser la désensibilisation graduelle pour passer par-dessus des craintes. Déterminer de petits objectifs avec elle et augmenter la difficulté graduellement en fonction de ce qu'elle est capable de faire. Fait que le matin, elle va faire la même routine, là, comme à tous les jours. Pardon. Elle va se lever, elle va faire. Elle va s'habiller, elle va. Tout comme. Tout pareil, je vais la coiffer. Puis dans le fond, elle va s'habiller pour aller à l'école. Je parle de mettre sa soupe de neige, etc. Puis après ça, ben, elle va se rendre jusqu'à la porte. Puis si à la porte, un petit moment, je me sens pas capable, ben là, elle va se déshabiller, puis rester à la maison, pour faire des travaux ici. Mais le lendemain, tu sais, ça va être d'essayer de se rendre un petit peu plus loin, dans le sens que le lendemain, ben, juste d'aller l'autre bord de la porte. Et après ça, aller dans l'auto, sortir de la cour, se rendre
au stop, se rendre jusque dans la cour d'école. Bref, tout ça graduellement. Je sais qu'il y a des possibilités là, qu'on fasse un pas en avant, trois en arrière. Mais, tu sais, y aller vraiment à son rythme, écouter ses besoins à elle. Puis, ça va finir par enlever son anxiété, dans le fond, parce que c'est elle qui va avoir le contrôle de y aller comme elle, elle le sent. Après ça, ça va être renforcer les réussites, même si elles sont petites. Fait que, tu sais, vraiment de la félicité, là, quand elle a réussi à faire un pas de plus. Puis vraiment être là pour elle. Lorsqu'elle est anxieuse, l'aide à changer les idées. C'est ce qui l'aide le plus pour le moment, dans le fond. Essayer de changer les idées au moment que on sent qu'elle commence à être stressée, là. Fait que si jamais vous avez des trucs en commentaire, là, qui aident pour l'anxiété, peu importe c'est quoi, là. Ça date, on a essayé les huiles essentielles, on a essayé le yoga, on a essayé des respirations. Bref, si jamais vous avez d'autres trucs, là, ce serait vraiment le fun. Ne pas insister sur les résultats des travaux scolaires et ne pas inscrire la note sur les évaluations. La communication avec les parents sera faite par courriel au besoin. Bon, fait que dans le fond, Charlotte, on va arrêter de mettre des résultats scolaires sur... sur ses travaux parce que, mettons qu'elle a une 9 sur 10, ça la rend anxieuse puis ça la fâche vraiment de pas avoir une 10 sur 10. Ça, c'est son anxiété de performance. Dans le fond, elle voudrait tout le temps plus performer, plus. C'est jamais assez pour elle. Elle voudrait comme péter des scores tout le temps. Mais tu sais, on s'entend, personne n'est parfait dans rien, là, tu sais, je veux dire, il y a personne qui est capable d'être exemplaire dans tout, puis ça, ben, il faudra qu'elle apprenne à le gérer, là, au fil du temps, mais pour l'instant, c'est ça. Lui rappeler d'utiliser les stratégies de relaxation lorsqu'elle se sent anxieuse, fait que ça revient un peu au même. L'impliquer dans la démonstration des techniques de relaxation avec d'autres enfants lorsqu'elle a envie de le faire, fait que dans le fond, avec son frère. Intégrer un moment de relaxation pleine conscience dans la routine du matin. Je pense que tu sais, on a vraiment des bons outils là, pour nous aider là, éventuellement. Utiliser le tableau de renforcement pour aider aux routines. Fait que dans le fond, nous, on a fait un tableau, là, comme je disais, là, on a un tableau des points là, que quand que ça va bien, ils peuvent colorier sur un post-it. Puis on le colle sur la journée. Mettons, notre journée est divisée en quatre parties. Fait que on a deux tableaux le matin, deux tableaux l'après-midi, qui inclut le soir aussi. Puis dans le fond, ils ont. Par période, là, ils ont chacun leur tableau à eux. Modéliser les comportements adéquats lorsque les adultes vivent des situations d'anxiété. Fait que, tu sais, on ne montre pas ça plus comme un problème, on montre ça comme une normalité parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont anxieux. Et moi, la première, je suis quelqu'un de super anxieuse. Puis, tu sais, de ne pas le cacher parce que ça finit par faire ça, tu sais, puis elle ne comprend pas. Fait que les moments quand je suis anxieuse, je lui en parle, que je suis anxieuse. Puis souvent, elle va me dire, « Ah, mais mettons que je suis anxieuse pour un rendez-vous. » Puis j'ai dit, elle me dit, « Ben, reste ici. » Mais tu sais, je veux lui montrer que même si je suis anxieuse, c'est important que j'y aille. Un coup que ça va être fait, tu sais, mon anxiété est partie. Ça l'a bien été. Puis finalement, ben, pourquoi j'étais anxieuse? Parce que c'était quelque chose que je savais pas. Parce que je m'attendais à quoi, dans le fond? Puis au final, ben quand on finit par le faire, on est vraiment content de l'avoir fait. Puis notre anxiété part. C'est un peu comme ça dans tout, là, dans le fond. Fait que c'est ça. Ça va être d'y aller là, un peu plus loin à tous les jours. Je sais qu'il y a des moments que ça va être moins facile, mais je sais qu'il y a des moments que ça va être plus facile. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que c'est une bonne idée d'écouter tes besoins puis que d'y aller un pas à la fois? Ouais. Tu penses que ça va t'aider? Oui. Est-ce que tu as hâte de commencer? Tu as hâte de recommencer comme avant? Tu as hâte de revoir tes amis? Oui. Tu as hâte de ne plus avoir mal au ventre? Fait que c'est ça. Fait qu'éventuellement, peut-être que Charlotte va pouvoir reprendre ses cours de danse même. T'as moi de ça? Ouais? Non. Pourquoi? Parce que... C'est son anxiété, dans le fond, qui fait tout faire ça, mais on a bien espoir que ça revienne. Fait que c'est ce que je voulais vous dire, là, par rapport. Je pense qu'elle va faire une relaxation, mais c'est pas mal ça que je voulais vous dire, là, par rapport à mon rendez-vous, là, je viens d'arriver. Ça fait pas ben longtemps. Il est rendu une heure, je pense. Ouais, fait que c'est pas mal ça.
Unboxing! J'ai reçu un autre cadeau de Saint-Valentin, mon chum. Je suis vraiment contente. Et je ne savais pas si ça allait arriver aujourd'hui. Ça me dit qu'il allait avoir un collier livré aujourd'hui, mais je ne savais pas si c'était lequel. Fait que. Ta-da! Bien reçu. Ces Converse sont trop, trop beaux pour vrai. Puis, tu sais, ils sont vraiment là. Ah, mon chum, il les a essayés à midi. Il m'a dit qu'il était vraiment confortable. J'achète tous mes souliers là. Dans le fond, je les ai pris à la même place que qu'on a pris le coton watté hier, là. Boathouse. En tout cas, on recommencera pas la saga de je sais pas vraiment lire en anglais. Mais on attend d'autres colis cette semaine. Fait que si jamais j'en reçois au courant de la journée, je vais vous les montrer en même temps. Mais sinon, c'est ça, on les a reçus tantôt. Là, puis mon chum, il savait pas ouvrir parce qu'il pensait que c'était mes souliers. Puis il s'est dit que j'allais être en maudit s'il allait ouvrir un de mes colis. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'il était vraiment content. Ils sont vraiment beaux. Au pire, tantôt, quand il va finir de travailler, là, je vais lui dire d'essayer. Puis je vais vous les filmer sur lui. Bon, il est rendu 5 heures. La journée, elle a comme passé tellement vite, puis en même temps, tellement peu. Nous, mes enfants, ils ont quelque chose à faire. Là. Je sais pas si il se passe quelque chose. Ben là, c'est vrai, non, il fait tempête. Il a commencé à faire tempête. D'après moi, c'est à cause de ça. Mais, hey boy, que j'ai hâte que ce soit l'heure du coucher à fond. Pour de vrai, je vais peut-être passer pour une mère indigne, mais là. Ça a été toute une journée pour vrai de fou. Fait que. C'est ça. Là, je suis en train de faire le laser. Ça va être vraiment bon. J'ai faim en plus. J'ai pas vraiment beaucoup mangé aujourd'hui. Là, ben, je voulais vous donner des nouvelles. Petit update. On était rendu dans notre journée. Pas mal ça. À force, ça va être vraiment tranquille. Les enfants, je pense que ils verront pas tard parce que d'après moi, je suivrai pas la game pantoute. Et je vous dis, je suis tellement fatiguée, ça n'a même pas d'allure. Fait que je vais faire un petit souper bien tranquille. Mon chum, il est parti me chercher du Cévenop. C'est quelque chose que je trouvais tellement dégueulasse avant, puis on dirait que depuis que je suis enceinte, là, je fais juste ça. C'est juste ça, boire du Cévenop. On dirait que c'est la meilleure chose au monde. C'est pas mal ça. J'ai un problème pour donner des nouvelles tantôt. Je vais peut-être vous mettre une petite photo de ma lasagne. Je fais une lasagne bien normale, là. Rien d'extra. Je mets pas de viande dedans. Je trouve pas ça bon. Vous pouvez me lancer des roches. Mais je mettrai pas de jambon. Je mettrai pas de jambon ou quoi que ce soit. Fait que je vais vous montrer tantôt. Il est rendu 9h30, mon bain est cool, je m'en vais me laver, je suis brûlée, c'était une journée de fou. J'ai tombé endormie, mes enfants sont en bouche qui sont couchés. J'ai lu un peu mon livre, puis pour vrai, ça fait du bien, mais je suis tombée endormie. Puis je me suis réveillée, mon chum est en train de gamer. Je vais aller me laver, fait que je vais conduire le vol. Le blog. C'est pas mal ça. Fait qu'on se retrouve dans le vlog.